Et c'est finalement parti pour cette quatrième course, 1365 mètres. Great Stavanen sollicité pour prendre les devants. Dark Force, Kudutu, Zodiac Jack, Watch Me Dad et Keiko Great Stavanen. Le green chute de Vijayanand Bandhu qui pilotait Keiko. Vijayanand Bandhu qui va essayer de se relever, mais devant Great Stavanen qui dirige les opérations. 1000 mètres à parcourir et entame la descente Great Stavanen devant Dark Force. Coup du tout, on retrouve Zodiac Jack, Watch Me Dad, le favori pour l'instant, dernière position. Il ne reste plus que 5 dans cette épreuve. Les chevaux qui sont donc en pleine descente, environ 700 mètres à parcourir maintenant pour Great Stavanen devant Dark Force. Coup du tout en troisième position, Zodiac Jack et Watch Me Dad qui est toujours à l'arrière, à la rue du gouvernement. 500 mètres de l'arrivée, Great Stavanen met à le nez par Dark Force toujours, coup de tout. Attention à Zodiac Jack, Watch Me Dad va attendre la ligne droite finale, lancée quelque peu par Nouresh Joglal à l'entame du dernier virage. Dark Force, Zodiac Jack, Great Stavanen qui est toujours devant face à Dark Force et Zodiac Jack, Watch Me Dad qui a trouvé le passage. Dark Force, Zodiac Jack à l'extérieur, Great Stavanen qui a toujours l'avantage face à Dark Force. Great Stavanen qui résiste bien, Watch Me Dad, Great Stavanen va l'emporter devant Watch Me Dad, Dark Force et Zodiac Jack. Great Stavanen monté par Sunil Bassant. Une course mouvementée. Vijayanand Bandhu, l'ambulance qui va s'occuper de lui. Vijayanand Bandhu qui a chuté sur Keiko. Oui, une course probablement un petit peu perturbée avec les retraits et aussi Keiko, la chute de Bandhu. Mais à l'avant, Great Stavanen s'est mis devant. Et il a contrôlé parfaitement la course Great Stavanen pour dominer le favori Watch Me Dad, Dark Force, Zodiac Jack à l'extérieur et puis Kudutu. Great Stavanen va aller jusqu'au bout pour dominer le favori Watch Me Dad. Et puis Dark Force finit troisième, Zodiac Jack et finalement Kudutu.